une cuisine qui donne la pêche. Vous êtes célibataire, en famille recomposée ou en couple. Vous êtes passionné de cuisine, gourmand, gourmet ou attentif à la diététique. On est tous différents dans la gestion de la cuisine. Et pourtant, une chose nous réunit dans cet espace. Avoir envie d'y cuisiner dans la joie et la bonne humeur. Alors, voici 5 ingrédients pour créer une cuisine qui donne envie de préparer et de réussir de bons petits plats. 1. Avoir une position de chef. L'idéal pour le cuisinier est de voir qui entre dans la pièce et de ne pas se placer dans le flux de circulation afin de cuisiner avec sérénité. L'aménagement d'un îlot est une solution idéale. Mais si ce n'est pas possible, une crédence en métal réfléchissant, du verre laqué ou un miroir favorise la vue derrière soi quand on est au fourneau. 2. Dissocier le feu et l'eau. Évitez de placer côte à côte le point cuisson et l'évier. Gardez la distance d'un meuble de cuisine entre les deux postes, soit environ 60 cm. La jonction des symboliques du feu et de l'eau crée des tensions possibles. Alors, si vous ne pouvez pas faire autrement, placez du bois entre les deux postes, par exemple une planche à découper ou des cuillères en bois. 3. Variez les couleurs, mais pas plus de 3. Mélangez des coloris chauds et froids pour créer une ambiance agréable. Le vert et le turquoise sont propices à la digestion. Ils sont à associer avec une touche d'oranger pour avoir plus de vitalité. Le jaune dynamise des échanges familiaux, surtout si la famille est d'un tempérament plutôt introverti. Ne mettez pas trop de bleu ou de violet dans la cuisine, surtout si elle reçoit la lumière du nord. 4. Bien penser à l'organisation des tâches. Ayez un plan de travail suffisant qui regroupe 3 fonctions. La pose des ingrédients, la préparation des plats et le placement du petit électroménager quotidien comme le grille-pain ou la machine à café. Pensez aussi au placement de la poubelle, évitez qu'elle soit visible et pensez au tri sélectif qui prend un certain volume. 5. Multipliez les sources d'éclairage. La lumière et l'éclairage agissent sur le moral. C'est essentiel dans la cuisine où l'on peut passer pas mal de temps. Vous avez besoin d'une lumière générale ou centrale, de lumières objectivantes qui vont éclairer la zone de préparation et celle du repas, et un éclairage d'ambiance ou éclairage indirect pour jouer sur l'atmosphère de la pièce. Cette vidéo vous plaît ? Rendez-vous sur le blog domaine-maison.com. Likez, partagez et inscrivez-vous pour télécharger notre cadeau, un petit guide gratuit. À bientôt !